Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette séance quotidienne pendant laquelle nous parlerons du projet de transport accord. Nous parlerons de la technologie de transport accord. Après cette magnifique vidéo où nous pouvons voir clairement l'écosystème dans lequel nous vivrons grâce à la technologie de transport accord, nous voyons un monsieur qui se lève le matin, qui prend un engin de la technologie de transport accord pour pouvoir aller au travail, et des gens qui vivent sous, les supports d'ancrage, qui s'amusent, d'autres qui font de la pêche, certains qui cueillent des fruits, pour montrer à quel point le système de transport à cordes est écologique et s'adapte facilement à l'environnement qui l'entoure. Alors, je suis Donatien Gérard, bien évidemment, et investisseur dans le projet depuis 2018. Aujourd'hui encore, je continue à prendre des parts d'action dans le projet parce que j'ai compris véritablement que nous avons affaire à un projet de transport qui a une technologie de transport, autant pour moi, qui va révolutionner le monde du transport, une technologie de transport que tout le monde attend. Alors, vous le verrez aussi, vous comprendrez pourquoi est-ce que je le dis dans les slides qui vont suivre. Dans ce webinaire, donc, nous aborderons les sujets suivants. Nous parlerons tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et de sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités, les perspectives du système de transport innovant USCAI qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai aussi comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons ce que Sky World Community vous offre et les perspectives et les bénéfices que vous tirerez donc de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par une dernière nouvelle très, très chaude. Vladislav Volkov est donc devenu responsable d'un nouveau département de préparation de projets ciblés de Sky World Community à Unitsky String Technologies. La source des changements dans l'entreprise est la rétroaction avec des partenaires et les investisseurs. Nous étudions régulièrement tous les appels, prenons des décisions d'affaires basées sur la recherche. Essayons de vous fournir donc tout ce dont vous avez besoin pour un travail réussi. Nous avons constaté une augmentation du nombre de demandes de propositions ciblées. De plus en plus souvent, des partenaires ou des investisseurs, sans savoir à qui s'adresser, ont commencé à négocier eux-mêmes avec des clients potentiels pour le compte de Sky World Community ou de Unitsky String Technologies. Souvent, cela a conduit à la diffusion d'informations incorrectes, ce qui est inacceptable pour l'entreprise. C'est pourquoi il a été décidé de créer un département de préparation de projets ciblés pour aider donc les partenaires dont nous apprécions profondément l'initiative. Vladislav Volkov est diplômé de l'Université technique de Saratov avec une spécialité d'ingénieur en mécanique. Il a passé d'un employé ordinaire à un technicien de premier plan dans une filiale de Bocker en Belgique. Il a ensuite été transféré au siège social en Allemagne. Il a dirigé les départements techniques des grandes entreprises russes. En 2011, il a organisé une conférence à grande échelle à Saint-Pétersbourg, avec l'invitation de Jacques Fresco, ingénieur de production américain, designer industriel et futurologue, auteur du projet Vénus. Lors de cet événement, Vladislav a entendu parler pour la première fois du transport du deuxième niveau d'Anatoly Unitsky. Depuis lors, il aide la technologie UST à atteindre le niveau mondial. Bienvenue donc à Vladislav dans l'équipe et dans le département. Alors, Comment est-ce que le projet de transport à cordes va-t-il se positionner? La société de développement de transport à cordes a présenté une stratégie de positionnement sur le quai mise à jour. Le concept est décrit dans un document distinct qui comprend les informations de base sur la société, les principes de fonctionnement du transport à cordes, les comparaisons de la technologie avec les systèmes concurrentiels, le coût de la construction et les calendriers des projets. Le lien vers le document peut être trouvé dans vos back-office dans la section Actualité, ou bien vous pouvez prendre une capture d'écran de ce lien qui est sur l'image. Vous pourrez avoir accès directement à ce document de positionnement. The National, les pistes à cordes, autant pour moi, peuvent être construites au Nigeria et aux Émirats Arabes Unis. L'édition The National a publié un article sur des essais de modèles de transport à cordes de marchandises à Sharjah et la construction de projets ciblés. Nous avons choisi le plus important de ce matériau. Quand est-ce que Unicorn sera-t-il lancé? Il est prévu de commencer les essais du porte-conteneur à Sharjah en décembre 2022 ou janvier 2023. La longueur de la piste de 2,4 km permettra d'accélérer la voiture jusqu'à 120 km par heure. Où peut-on ainsi construire des pistes? L'un des projets possibles est une route de marchandises à deux voies entre le port de l'île de Tinian au Nigeria et la ville de Lagos. La piste de 20 km coûtera 280 millions de dollars. Un autre itinéraire pourrait relier le port de Jebel Ali aux Émirats Arabes Unis à l'aéroport international Al-Maktoum. La ligne de 18,5 km permettra de livrer des conteneurs en seulement 15 minutes. L'Office of the Future a été prolongé une fois de plus jusqu'au 31 août 2022. En Turquie, a lieu actuellement un tour de prix pour les gagnants d'or de la première étape du challenge Sky World Community. En raison du voyage, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu le temps de profiter au maximum de l'offre Face of the Future. Par conséquent, sa période de validité sera prolongée jusqu'au 31 août 2022. Vous pouvez donc toujours investir avec un escompte de 1/90 et obtenir un hologramme avec votre photo au musée de transport à cordes en Biélorussie. Voilà. Nous parlons de la technologie de transport à cordes. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une technologie de transport innovante, une solution aux problèmes modernes de transport urbain, de marchandises et à grande vitesse, qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Voyez-vous, en 1914, cette image, comme on peut le voir, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les trams qui entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues, mais dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Et cette situation ici, nous sommes déjà familières, pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargent donc pas le temps de traiter les navires et les marchandises sont obligés d'attendre chacune leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport qui cause bien évidemment les embouteillages et le manque de sécurité. Alors, en construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister, ça va de soi. Le prochain problème majeur donc de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Pourquoi? Parce que en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons indirectement à une centrale électrique qui, elle, fonctionne à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi, nous avons le quatrième problème qui est celui de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années, de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes, à travers les routes, les fosses, les rivières, les ravins, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent énormes. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours, en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport que nous allons examiner donc aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet que nous verrons tout à l'heure. Alors, ici, nous avons une image de l'éco-maison, qui est un élément constitutif de Sky. Ici, nous avons une autre perspective de démonstration de villes linéaires, qui sont des villes qui peuvent être construites dans des endroits difficiles d'accès, utilisant le système de transport à cordes. Voilà. Lisez vous-même cette citation. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, sommes-nous le problème ici qui consiste bien évidemment à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer donc une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait. Mais ceci s'est toujours avéré inefficace. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, on va donc poser le câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports qui sont légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires. Nous entourons donc nos câbles dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail franchement unique. C'est ainsi, comme on peut le voir, à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On voit une tête du rail, on voit les cordes dont on parlait tout à l'heure, qui sont les faisceaux de fil d'acier précontraint. On voit un agent de remplissage qui est un béton flexible, un béton spécial. Et nous avons le corps du rail. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de jet, chacune ayant ses propres tâches et avantages. Ici, nous avons une représentation de la conception du châssis. On peut bien voir là un convertisseur de tension, un système anti-déraillement, un ressort de suspension, des batteries accumulateurs, un radiateur de système de refroidissement, un inverseur de moteur, une roue moteur, du moins. Eh bien, voici à quoi ressemble le système anti-déraillement spécial. Regardez ici cette image, les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être traversée par une seule travée. Ceci, ce n'est plus un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier à Sharjah, dans le Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Nous n'entendrons pas le bruit caractéristique de roues en acier sur le rail en acier. Il est possible donc de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité de la manière suivante. OK? On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés, les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement donc pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est celle de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celui-ci augmente considérablement. Les courants de vent complexe autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affecte grandement la vitesse de celle-ci. Alors, sur le transport de second niveau, les fuses d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la corde originale testée dans la chaufferie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. C'est l'appareil qui vient d'être présenté précédemment en grandeur nature. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. L'unibus à grande vitesse, qui a un coefficient de traînée qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne, soit 0,065 CX, elle peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant donc, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons vus depuis le début. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation l'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Unitsky offre a donc la solution la plus moderne, peu en verre. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Donc, nous pouvons dire que Unitsky, le transport de deuxième niveau, que nous venons de voir, est un transport léger, rapide, économique et aussi, surtout, écologique. Tout le monde peut investir dans ce projet. L'entreprise propose des investissements pour tout budget à partir de $50 et aussi un plan d'investissement pratique qui est divisé en 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 personnes dans le projet, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des personnes de différentes professions, des infirmiers et autres. En participant au projet aujourd'hui, voici donc les perspectives d'investissement qui s'offrent à vous. Premièrement, vous gagnerez des dividendes de la mise en œuvre réussie du projet, de la concrétisation des projets ciblés. L'entreprise fera des bénéfices. 20% des bénéfices que l'entreprise fera sera réparti à tous ceux qui détiennent des parts d'action de l'entreprise sous forme de dividendes. Ensuite, il y a le rachat d'actions. La société peut décider de racheter les parts des investisseurs. À la fin, en octobre 2018, où les 5000 premiers investisseurs ont la possibilité de revendre leur action à un profil allant jusqu'à 10 fois le montant investi. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Unitsky, à qui il a fallu plus de 50 ans de recherche, de calcul, 40 ans autant pour moi de calcul, de recherche et d'expérience pour que sa création voie le monde. La technologie d'Unitsky String Technologies est optimale, efficace et sûre. Ce monsieur est chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 brevets d'invention dans les domaines de la construction, des transports, de l'ingénierie, de l'électronique et de l'industrie chimique. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site unitsky.ingénieur. Son site. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Voilà. Ici, nous avons une image du CEO, docteur Anatoly Unitsky, avec le chef spirituel tibétain, le Dalai Lama. Et à droite, on a une photo du CEO avec son atteste, le docteur tchèque Sultan Bin Mohamed Al-Maktoum. Al-Katimir, autant pour moi, souverain de Sharjah, qui a assisté au lancement du projet Unitsky pour un système de transport suspendu et UKA à Sharjah. Ici, nous avons quelques images des véhicules pour le transport à côte. Aujourd'hui, il y a près de 11 modèles de véhicules qui ont été développés pour le transport des passagers et 4 modèles de véhicules pour le transport des marchandises, comme on peut le voir. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus de l'eau et des routes sans interférer avec les autres moyens de transport. Il s'intègre facilement dans le paysage naturel, occupant un minimum d'espace à la surface de la terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les zones ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes modernes de livraison de structures, il sera donc plus difficile de pouvoir construire ce système de transport dans n'importe quel type ou zone de la planète. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Il peut donc traverser la fondation, traverser les supports sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à les 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Je tiens à préciser que cette année encore, nous serons à l'expo InnoTrans à Berlin. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport de personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être trouvés facilement sur le site unitsky.ingénieur. Et voici en grandeur, en vue rapprochée, je veux dire, le certificat que détenait tout à l'heure le docteur Anatoly Unitsky, notre CEO. La technologie de transport à cordes a obtenu aujourd'hui plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième autant pour moi des documents de l'entreprise. Ah, vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'entreprise. Des reportages dans les médias du monde entier parlent de la technologie de transport à cordes. Tout un éventail de reportages sur la technologie de la société Unitsky String Technologies a été diffusée sur la télévision dans différents pays. Depuis lors, de grands investisseurs sont en train de se manifester. L'entreprise a été émergée par des coups de fil et email partout dans le monde depuis ces différents reportages. Sans aucun doute, il est important pour un seul homme. Il est impossible, autant pour moi, pour un seul homme de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unitsky String Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie, et depuis 2019, elle a plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La superficie des bureaux et des productions est autour de 10 000 mètres carrés. Alors, l'argent des investisseurs aujourd'hui a permis de construire un nouveau technoparc non loin de la ville de Minsk en République de Biélorussie, premièrement. Et chaque année, à l'heure de l'Eco-Fest, des milliers d'investisseurs s'y rassemblent pour voir de leurs propres yeux la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré aux invités. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah. Ici, nous avons une maquette. Le centre d'innovation UST de Sharjah sera donc un groupe de recherche et de production qui deviendra avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et le système de transport s'intégrera facilement dans le paysage, comme le fait le métro, le tram aujourd'hui. Ils ne nous surprennent plus du tout. Alors, nous pouvons dire, en guise de résumé, que le transport aérien USky est un transport innovant, rapide, sûr, économique, facile à intégrer, respectueux de l'environnement. Voilà. Parvenu donc au thème de cette présentation, je veux vous laisser, comme d'habitude, avec cette belle vidéo qui présente le système de transport à cordes, l'UniFlash, qui est le véhicule le plus rapide actuellement de la gamme des différents véhicules. Et ce véhicule peut passer devant vous, vous n'entendez même pas les feuilles bouger. Alors, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour d'autres dernières nouvelles du projet.